يسرنا أن يهتم العالم الخارجي. شيخ إبراهيم بايود est la plus haute autorité au sein de la communauté ibadite. Autorité qui ne détient pas grâce à sa position, mais grâce à son influence personnelle. C'est lui qui, par une réforme interne, a voulu ouvrir la communauté ibadite au développement dans le monde. Nous nous sentons flattés que le monde s'intéresse aux ibadites. Nous en sommes très heureux. Ainsi, la communauté ibadite demeure présente dans le monde. Nous espérons que cette présence donnera lieu à l'étude et à l'examen de la véritable identité de l'ibadite, de son histoire et de son avenir. Ce qui nous réjouit, ce n'est pas tellement que nous soyons connus dans le monde entier, mais qu'on se rende compte que la communauté ibadite est basée sur l'islam authentique, l'islam du Coran et de la Sunna. Qu'il n'y a pas chez nous de chemin secret, ni de groupe secret, comme dans d'autres sectes islamiques. Ce que l'on trouve chez les ibadites, c'est l'homme, et un Dieu clément et miséricordieux. Le précepte de la foi ibadite est qu'il n'y a rien de sacré en dehors de Dieu, c'est lui que nous invoquons. Il est unique, il donne le bien et nous protège du mal. عقيدة الإبادية الصحيحة لا إله إلا الله ولا معبود سواه وهو وحده فقط يرجى منه النفع ويخاف منه الضر. Au nord et en bordure du Sahara algérien, à 600 km au sud d'Alger, il y a une région qui s'appelle Mzab, le filet. Vu du ciel, on dirait qu'un immense filet a été jeté au-dessus du sol aride avec des rocs dépassant des mailles. Mzab est aussi le nom du torrent qui a cherché son lit et qui traverse cette région tous les 3, 5, 7 ou même 10 ans. Les ibadites se sont fixés dans cette région, alors déjà complètement inaccessible, dans la première moitié du XIe siècle. Ils avaient derrière eux une histoire mouvementée. Cette secte islamique était née pendant la lutte pour le pouvoir qui divisait entre eux les successeurs de Mohammed. Ses adeptes n'acceptaient pas que les maîtres d'alors s'attribuaient à un droit divin. Devant Dieu, tous les croyants sont égaux, quelle que soit leur place sur l'échelle sociale. Dieu n'est pas seulement la plus haute, mais aussi la seule autorité. Le pouvoir sur terre ne peut être exercé qu'au nom et au service du peuple, de la communauté. Chacun peut être investi de ce pouvoir. Il n'appartient ni à une classe, ni à une famille. Une vraie démocratie sur base religieuse. Ces conceptions ibadites furent réalisées politiquement pour la première fois à la fin du 8e siècle à Taert, non loin de l'actuel Tiaret. Cette ville-État n'a pas eu une existence tranquille. En 947 déjà, elle est complètement détruite. Les habitants survivants se retirent vers le sud, dans la province de Wargla, où un autre groupe d'ibadites s'est déjà installé. Ils y construisent une nouvelle ville, Sedrata. Celle-ci subit le même sort que Taert. Alors, les ibadites se sont complètement isolés du monde et ils se sont, pour pouvoir vivre leur propre vie, installés dans un désert dans le désert, Mzab. Durant la première moitié du XIe siècle, ils y construisent consécutivement 3 villes, El Atef, Bonoura, Gardaya. Au XIVe siècle s'y ajoutent, dans les environs immédiats, encore 2 villes, Benisgen et Melika. Les 2 dernières villes ibadites, Omzab, Guerrara et Berian, ont été construites à quelques distances de là, au cours du XVIIe siècle. Allah, 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 All
تجريها النهار على جنس الهدي ولكن تجرى الراغرة يعني الحق عن يرد الثاني هذا اللي رانا كنا عليه. Leurs convictions religieuses avaient conduit les Ibadites vers une région inhabitable où il n'y avait rien, mais alors rien du tout. Tout, même la nature, devait et serait fait par eux par pure nécessité, sans possibilité de choisir pour avoir une chance de survivre. De là, la clarté sévère des formes dans lesquelles l'environnement des Ibadites a pris naissance. Rien qui les distrait l'attention, rien de caché. Tout a un sens. Chaque objet, chaque forme a sa raison d'être. Dans le monde des Ibadites, il n'y a pas de place pour des produits symboliques particuliers comme nos œuvres d'art. La réalité quotidienne est elle-même tellement chargée de symboles qu'elle est à elle seule suffisamment impressionnante. Une maison est une maison, non pas parce qu'elle est reconnaissable comme telle par la composition de sa façade, mais simplement parce qu'elle est habitable. La maison ne doit pas être le reflet de la richesse, du rang social, du goût ou de l'inventabilité, mais doit servir à vivre, à exister, et ceci autant pour les pauvres que pour les riches. Comme tout le reste, l'architecture est réduite à sa plus simple expression. Elle ne fait que rendre humainement vivable un morceau de terre invivable, ni plus, ni moins. ما هي الوسائل التي توسطوا بها إلى هذا؟ ما هي الوسائل التي تحافظون بها في المستقبل على هذا؟ سؤال سيدي إلى هذا الحد. يا طارق تفكرون أو يغزى يغزوكم أو الفكر الأوروبي الذي في المشتق الغرب حتى تنحبس ما تخدش الغرب دون الغرب حتى تخشون هذا. ولمتكم يهوني. الله أكبر. Une ville ibadite naît dès qu'on érige la mosquée, la maison de la communauté, et qu'on bâtit le mur d'enceinte qui doit en marquer les limites et la protéger. À l'intérieur de ces limites, les maisons individuelles sont construites contre et tout autour de la mosquée, de telle sorte que cela forme un tout. Maisons de riches et maisons de pauvres, grandes et petites, la seule norme étant que l'on ne bâtit pas dans le soleil de son voisin et que l'on n'ait pas de vue sur sa terrasse ou sa cour intérieure. En bordure du groupe d'habitation, près du mur de la ville, s'organise le marché où tout le monde va et vient, où non seulement les gens de la ville se rencontrent entre eux, mais où ils se rencontrent également les nomades du désert. À la mosquée et au marché, on ne rencontre que des hommes, et surtout les aînés. Le groupe actif des Ibadites vit en dehors de Mzab et participe largement à l'organisation du commerce dans la zone côtière très peuplée d'Algérie. C'est là que se gagne l'argent pour entretenir la famille dans les villes de Mzab, pour y acheter ou construire également en temps voulu une maison, pour aider les pauvres, les veuves et les orphelins de la famille ou fraction, pour soutenir et aider à survivre la communauté ibadite dans le désert. L'organisation de ce soutien à la communauté n'est pas anonyme. Il est réglé par des contacts personnels via la famille et la fraction. La famille, au sens strict que nous lui donnons, se rencontre rarement chez les Ibadites. Les fils mariés restent habités chez leurs parents. Les ménages sont groupés en familles. Plusieurs familles descendant d'un même ancêtre forment une fraction avec son propre patrimoine et son propre cimetière, ayant une influence sociale et politique très importante. Mmh.
c'est la fraction qui, en dernière instance, s'occupe des veuves, orphelins et handicapés, qui organise le travail volontaire dans la communauté, qui trouve des solutions aux problèmes au sein de la famille et règle les relations entre ses propres membres et ceux des autres familles. Dans le cadre de conventions très strictes et d'obligations bien déterminées, le système d'autorité reste très personnalisé. Comme partout dans l'islam, la femme ibadite vit aussi dans un monde à part, un monde privé. Sa présence en ville est voilée, mais néanmoins réelle. Elle est chargée du ménage et de l'éducation primaire des enfants. Elle entretient les tombes, travaille la laine, élève quelques chèvres qui, tôt le matin et en groupe, sous la garde de quelques bergers communautaires, quittent la ville et reviennent le soir, chacune vers sa maison. Il n'y a pas d'étable. L'enseignement qui est sévèrement tenu en main par les autorités religieuses est encore toujours un des piliers les plus solides de la communauté ibadite. Maintenant que l'État algérien a rendu l'enseignement général obligatoire, les ibadites gardent quand même leur propre réseau scolaire. Tout ce système politico-social est en fait porté et contrôlé par l'autorité religieuse du Halkat, le conseil de la mosquée, 12 chefs qui veillent sur la pureté de la doctrine ibadite et sur sa juste application. Ce ne sont pas seulement les vivants qui font partie de la famille ibadite. Ceux qui vivent dans les tombes sont également présents. Autour de la ville des vivants s'étend à l'infini la ville des défunts. Comme pour les maisons, les tombes ne se distinguent pas entre elles. Elles n'ont comme signe distinctif que quelques urnes brisées et une ou deux pierres érigées. Chaque tombe est inviolable, inaliénable. Le respect pour les morts n'en est pas moins grand. C'est même plus que du respect. On peut parler ici d'une certaine intimité. Ici aussi, ce ne sont pas les apparences extérieures qui révèlent la réalité, c'est la réalité même qui compte, la foi profonde en la vie après la mort. Les cimetières sont associés à presque toutes les cérémonies religieuses, même à la célébration d'un mariage. Parmi les tombes se trouvent les lieux de prière où, à la veille des fêtes, on récite en chœur le Coran, où sont déposés à intervalles réguliers des dons pour les pauvres, où des animaux sont immolés pour en distribuer la viande aux nécessiteux. Disséminée parmi les autres tombes se trouve celle de cheikhs très influents. Des sculptures étonnantes qui dépassent la sobriété de notions ibadites de formes et de couleurs, ou plutôt les étalent, car ici seulement, dans le royaume des morts, tombe la loi de la nécessité et passe-t-on du monde du provisoire, du terrestre, à un état d'exaltation.
solidarité de la communauté ibadite qui se manifeste sous toutes les facettes de leur culture, même jusque dans leur architecture, se révèle le plus ouvertement dans les fêtes, en particulier la fête de mariage à laquelle est conviée la communauté tout entière. Lorsque le fils d'un père riche va se marier, la fête n'est pas organisée seulement pour lui. Tous les jeunes gens désireux de se marier sont invités à célébrer leur mariage le même jour et à profiter ainsi de la fête. À ces occasions, il est impossible de voir la différence entre les riches et les pauvres, et il n'en découle pas de lien de dépendance. Une fois que l'initiative a été prise, ce sont les azabas ou cheikhs, les chefs religieux qui s'occupent de la fête. Tout le monde est le bienvenu. Chacun peut s'asseoir autour des plats de couscous. Dans la cour intérieure de la médersa, l'école, les convives vont et viennent. Des consignes sévères défendent aux riches d'étaler leurs richesses à l'occasion de fêtes pour ne pas choquer les pauvres. Des dépenses extraordinaires ne peuvent être faites qu'au profit de la communauté tout entière et en particulier au profit des pauvres. Les futurs mariés, qui ont été préparés pendant plusieurs jours, apparaissent dans la cour intérieure et se présentent aux azabas qui prient sur eux et enfilent un burnous spécial à ceux qui connaissent le Coran par cœur. Après les prières, on emmène les mariés. La mariée attend. La fête peut maintenant vraiment commencer. Il ne s'agit pas d'idéaliser les ibadites.
Chez eux, comme partout ailleurs, il y a des conflits et des situations intolérables. Mais reste que leur système social, sévèrement ordonné et laissant pourtant beaucoup de liberté, est remarquable. Elles ne poursuivent pas de buts extrinsèques comme l'affirmation d'un pouvoir ou l'enrichissement d'une classe particulière. Le système ibadite et son contenu idéologique sont apparents dans tous les aspects de la vie quotidienne et même dans l'architecture. Comme le riche ne donne pas de grandes fêtes pour étaler sa richesse, de même il ne se construit pas de maison qui se distinguerait de celle des pauvres. Les points de départ sont totalement opposés aux nôtres. On ne se base pas sur des prestations, mais sur des besoins. Or, les besoins primaires en général et celui d'une habitation en particulier sont les mêmes pour chacun, qu'on soit président du conseil de la mosquée ou simple ouvrier. Pour la communauté, ils sont d'ailleurs tous deux indispensables. Celui qui est en mesure de faire plus ou mieux n'en acquiert aucun droit ou pouvoir. Les habitations ne sont pas seulement accolées les unes aux autres, elles s'entrelacent. Et bien qu'elles soient construites une à une par différents propriétaires et qu'elles soient toutes différentes, elles font partie d'un tout et s'assimilent à celui-ci. La géométrie rectangulaire de l'arpenteur est ici ignorée. Elle semble trop simpliste pour ordonner les rapports compliqués entre les humains. Chaque solution dans la construction d'une maison est le résultat d'un dialogue et d'un accord commun. La solution n'est donc pas prévisible, comme dans notre soi-disant société occidentale développée, qui, comparée à la complexité et les nuances de la culture ibadite, est en nette régression. Les maisons sont tournées vers l'intérieur. Elles se développent autour d'une cour intérieure où se passe la vie quotidienne de la famille. Toutes les chambres débouchent directement sur cette pièce intérieure en plein air. L'espace vivable de cette pièce intérieure au rez-de-chaussée se prolonge dans une galerie au premier étage, parfois même au deuxième étage et sur les toits terrasses très utilisées. Comme dans un organisme vivant, tous les espaces de la demeure ibadite se fondent l'un dans l'autre. Ils forment une ville miniature, tout comme la ville est une habitation en grand. La construction d'une maison est simple. On la bâtit avec des matériaux locaux. Avec du sable auquel on a mélangé du plâtre, on construit les murs de soutien et le bouchage du toit, dont la charpente est faite de buis. Ces matériaux permettent une utilisation plastique. L'origine de la forme reste visible, la couche extérieure reste sensible. Les ibadites ne s'encombrent pas de meubles. Leur existence est limpide et ouverte. Quelques niches dans les gros murs pour y déposer une cruche ou une écuelle ou pour y conserver quelques provisions. Un tapis et un coussin par terre pour manger, parler, boire du thé, dormir. L'homme n'est pas encore aliéné par les objets qui l'entourent ni par leur entretien. Hey!
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر La ville était là avant tout. La volonté d'habiter le désert, pas de la même façon que les nomades, mais comme lieu d'habitation fixe. Mais pas de ville sans palmarès. Tout comme le cimetière, elle en fait partie intégrante. Sans palmarès, la vie dans la ville est non seulement matériellement impossible, mais elle perd toute sa signification, car la palmarès, c'est aussi une promesse. Vivre dans un jardin, c'est la perfection de l'existence. En fait, la Palmarès forme une seconde ville avec ses propres mosquées, écoles et habitations dissimulées derrière une végétation luxuriante. Les Palmarès sont situés dans le lit de la rivière qui, à l'origine, était la seule source de fertilité. La rivière est cependant tellement irrégulière qu'on ne pouvait se limiter à dépendre d'elle. On a, pour surmonter les périodes de sécheresse, creusé des puits dans le sol rocheux jusqu'à 100 mètres de profondeur. L'eau qu'on y a puisée a été parcimonieusement amenée vers les jardins par des canaux installés avec soin. Lorsqu'il arrive quand même que la rivière se gonfle, son eau est traitée avec la même circonspection. En premier lieu, il faut dominer sa puissance. Des barrages ont été construits et à partir de ceux-ci, un ingénieux système d'irrigation conduisant une quantité précise d'eau vers chaque jardin de cette oasis s'étendant sur des kilomètres. Les canaux d'adduction d'eau ne sont rien d'autre que les rues de la saison sèche. Des rues bordées de murs de jardin construits de façon suffisamment solide à la base pour qu'ils puissent résister à l'afflux. Dans ces murs, on a fait des fentes juste assez larges pour laisser passer la quantité d'eau nécessaire. En face de ces fentes, de l'autre côté de la rue, on a prévu de petits élargissements pour encore mieux régler le débit de l'eau. La réalisation et l'entretien de ce système d'irrigation nécessitent une organisation compliquée. Elle est entièrement portée par du travail volontaire. Jour et nuit, des gardes attendent l'arrivée du flux
et surveille la bonne marche des choses dans l'oasis. Des ingénieurs assermentés veillent à ce que l'eau ne soit pas gaspillée. Rien n'est laissé au hasard, pas même la fécondation des palmiers. Cela aussi est organisé et réglé, mais de telle sorte que la nature ne soit pas exclue. La nature ici existe grâce à l'homme. Les graines masculines sont récoltées avec beaucoup de soin, elles sont partagées et déposées dans les fleurs entrouvertes de l'arbre féminin pendant qu'on implore Dieu. La palmeraie est la terre promise de l'Ibadite, l'avant-goût du paradis. Mille fleurs s'y épanouissent. La plupart des familles y ont une seconde demeure, une maison d'été, qu'elles occupent pendant quelques mois chaque année. Comme dans la ville, tout est ville, ainsi dans l'oasis, tout est nature. On devine à peine les nombreuses et imposantes habitations au milieu de la riche végétation. Bien que l'oasis soit en majeure partie composée de jardins privés, on peut s'y promener comme dans un immense parc. Les maisons y sont comme en ville, toutes tournées vers l'intérieur. Déjà entourées du mur du jardin, assez haut pour ne permettre aucun regard indiscret, la maison elle-même est un bloc fermé vers l'extérieur qui s'insère pourtant très bien dans la nature. On construit entre les arbres et même autour d'eux. On ne travaille pas suivant un plan abstrait, mais on applique une méthode qui s'adapte chaque fois aux circonstances. Avec leurs trois terrasses, les maisons forment, pour ainsi dire, une présence rehaussée dans la nature. Elles ne contrastent pas avec elles. La nature n'est pas spectacle, elle est intégrée. On vit dans la nature et cette vie n'est pas exploitation, mais accomplissement. صليت مع الطلبان لا إله إلا الله سيدي إبراهيم عفاوي لا إله إلا الله وسيدي عيسى المليكي لا إله إلا الله يا الراعي يا مسعود لا إله إلا الله جاء الشيخ بامسعود لا إله إلا الله ديت الديتي عاونكم لا إله إلا الله ديت الديتي سلمكم لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله صليت مع الطلبان لا إله إلا الله سيدي إبراهيم عفاوي لا إله إلا الله وسيدي عيسى المليكي لا إله إلا الله يا الراعي يا مسعود لا إله إلا الله جاء الشيخ بامسعود لا إله إلا الله Thank you.
يا راك مخصوص حاجة ما نسمح لك ولا قدوة ما تجي باش تقودهم من وزير Le système ibadite, dans son entièreté absolue, a pu se maintenir pendant des siècles dans un équilibre intemporel. Toutes les menaces de l'intérieur et de l'extérieur n'y ont rien changé. Le système s'est développé, raffiné, mais n'a pratiquement pas dû s'adapter. Les contacts avec le monde extérieur sont devenus plus fréquents. Mzab est devenu un centre commercial très animé, mais ces contacts étaient choisis consciemment. Avec le colonialisme, s'est pourtant développé un courant sans inverse, devant inévitablement mener à une intégration où l'initiative n'a plus été laissée aux ibadites eux-mêmes. On peut même se poser la question de savoir si la culture ibadite a des chances de survie. La menace n'a jamais été aussi aiguë, ni le combat aussi inégal. La culture ibadite ne peut compter que sur sa solidarité et sa foi, maintenant qu'elle est confrontée avec une culture mondiale qui pense avoir l'avenir pour soi et qui est en son pouvoir toujours plus loin, parce qu'elle a besoin de toujours plus de territoire pour son exploitation. Le réformisme du cheikh Ibrahim Bayout a prévu ce développement, et il a essayé de trouver une solution au problème qu'il pose, en partant du point de vue qu'il ne peut y avoir de contradiction entre la croyance traditionnelle et la science moderne. Ce point de vue théorique, qui semble ignorer l'idéologie implicite de l'actuelle entreprise scientifique et de la technologie, doit cependant encore être mis en pratique. La situation paradoxale d'aujourd'hui apparaît de façon flagrante dans le fait que Mzab doit être défendu contre sa décadence par une civilisation qui la menace. En 1968, le territoire Mzab, grâce à l'intervention d'un architecte français, fut déclaré site historique, ce qui signifie qu'officiellement rien ne peut y être changé sans autorisation des autorités algériennes. Des mesures extérieures n'ont cependant jamais été en état de retenir une évolution intérieure. La situation chaotique du territoire municipal intermédiaire, l'adaptation des maisons aux normes occidentales, l'importation en grand nombre d'objets d'usage courant, meubles, gadgets, la création de zones industrielles, la triste imitation par des architectes occidentaux de l'architecture autochtone sont autant de signes démontrant combien le temps présent est chargé pour la culture ibadite. Sera-t-elle en mesure de se réformer de telle façon que, sans perdre de ses valeurs essentielles, elle puisse s'intégrer dans le développement international? Les problèmes qui se posent ici sont très nombreux. Pour n'en citer que quelques-uns, comment s'accomplira l'émancipation de la femme ibadite? Pourra-t-on empêcher dans une société industrialisée la formation de classes sociales? Comment se déroulera l'intégration des moyens modernes de communication? Lorsqu'on prend pour norme les résultats dans le domaine de l'architecture, l'avenir n'est pas très prometteur. Mais ce à quoi visait le réformisme de Cheikh Ibrahim Bayout, ce n'était pas le maintien des formes extérieures, mais une purification intérieure de la foi ibadite et de sa conception de l'homme. وهذا التقدم العلمي أو التكنولوجي وهذا التفرع في ميادين العلم هذا يجرف كثير من شباب. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à la communauté ibadite et plus spécialement aux ibadites de Mzab sont principalement des problèmes internes propres au groupe. L'évolution actuelle du monde, le progrès technique, le développement de la science exercent sur nos jeunes un évident pouvoir d'attraction.
Ce que nous craignons maintenant, c'est que le doute se mette à ronger nos jeunes, qu'ils commencent à douter de la vérité, comme c'est le cas pour tant de jeunes dans beaucoup d'autres pays. Nous craignons vraiment, et c'est ce qui nous préoccupe le plus, c'est que le contact avec le monde extérieur aura pour conséquence un développement funeste. Nous ne déplorons pourtant pas le contact avec la science. Nous souhaitons au contraire que tous les jeunes ibadites puissent profiter de toutes les branches de la connaissance. Mais d'un autre côté, nous souhaitons également qu'ils puissent conserver la foi ibadite, la vraie religiosité et la fidélité aux principes et au mode de vie des ibadites et aux valeurs de l'islam. Nous croyons d'ailleurs qu'il est possible pour chacun d'accéder graduellement au monde de la science, quelque discipline scientifique que ce soit, et de continuer à croire en la force de la religion et en lui conservant son respect aussi bien que pour l'homme. بسم الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله وارحمنا بسم الله يا الله وارحمنا يا رحيم يا الله وارحمنا كان الشيخ الحاج مسعود سببا في إظهار ضريح ومقام الشيخ إبراهيم بن مناد العالم الجليل الذي عاشر كما قلنا الشيخ عبد الرحمن الكرسي والشيخ الحاج مسعود الآخر وكذلك الشيخ أبي عمار عبد الكافي وله مكتبات موجودة مع الشيخ أبي عمار عبد الكافي وعلماء ورجلان والحمد لله رب العالمين Nous avons raconté l'histoire des ibadites au temps présent, mais en réalité, cela se joue au temps passé. L'histoire des ibadites est cependant aussi notre histoire. Notre histoire au temps futur